j'ai trouvé très sympathique, c'était d'avoir une carte qui est tendue sur le sol avec le mont Fuji au centre et on pouvait voir différentes œuvres en fonction des différents axes de point de vue du mont Fuji. C'est très sympa et ludique d'apprendre dans un cadre de jeu. Je pense qu'à terme, ce serait une expérience intéressante peut-être pour les musées d'avoir une version augmentée de leurs œuvres. La découverte à travers la VR, je pense que ça amène un public beaucoup plus jeune en fait. Moi j'ai rarement vu ça dans une expo, musée ou etc. où un jeune de 15-25 ans passe plus que 5 secondes sur un tableau. Là, ils s'arrêtent plus de 30 secondes, une minute, et ils observent, ils y cherchent. Sur le tableau de psy, il y a quelque chose d'hyper ludique aussi. Tu rentres dedans et là, immersion totale dans le tableau. On a l'impression de, dans cette œuvre d'avoir une intimité. On est seul face à l'œuvre aussi. C'est très intéressant parce que maintenant, je regarde l'œuvre d'une façon différente. Une sensation merveilleuse d'être dedans, dans une peinture. De toute façon, c'est comme un rêve, non? Comme si on traversait le miroir d'Alice au Pays des Merveilles.